Non. Ça, la meilleure anecdote, c'est ça. C'est important. Quand le bonheur prend la parole, on sait qu'on peut faire la sieste. Un café pour la 37. Il y a un accident de voiture au début du film qui se tournait l'avant-dernier jour de tournage. Et en fait, donc on y va, tout le monde est au taquet, il y a une voiture qui suit avec une grue, trois caméras planquées dans les arbres et tout, et la caméra importante dans la voiture. Et on lance l'action, tac, on règle les caméras, c'est parti. La caméra qui est derrière a bien l'impact, mais après le camion vient obstruer, donc c'est pas très intéressant. La caméra qui était dans l'arbre, le camion sort du champ, du coup on l'a pas. Mais je dis, vous inquiétez pas les gars, de toute façon, le plan c'est le plan à l'intérieur. Et là je vois l'assistant cam qui vient, qui me dit, mec, on a eu un problème, la caméra s'est pas lancée. Et les cascadeurs qui sortent de là, le camion renversé et tout, et on n'avait pas le plan, donc je me suis... Cascadeur dans le coma, et ça n'a pas tourné. Les mecs, on lui a dit, ça a tourné. Non, mais... Les mecs, tout le monde risque sa vie, et on a été des branches, quoi. Et donc, on l'a récupéré, mais ouais, il était vraiment... Et j'arrivais pas à le rassurer, hein, parce que moi, j'étais en même état.